comment ça? Psychopathe! Rien de moins! Dommage! Bobo! Carole! Téléphone! Vas-y, toi, je suis occupée! Moi aussi, il y a urgence! Il ne me reste plus que deux vies! Ouais, mais je travaille, moi! Je perds pas mon temps avec de stupides jeux vidéo! Qu'un sonnerie! C'est sûrement Big Bang! C'est bon, laisse! Je vais répondre! Mais je te préviens, ne dis plus que je fais jamais rien pour toi! C'est ça, ouais! Kit Paddle à l'appareil. Si vous êtes vendeur d'assurance multirisque, je vous signale que ce téléphone est programmé pour vous envoyer une décharge de... De 50 milliards de mégavolts, je connais la chanson, Kid. J'ai déjà essayé, tu sais, mais ça ne marche pas. Je vois que tu n'as toujours pas de téléphone dans ta chambre. Faudra que je te bricole ça. 15 sonneries, c'est un peu beaucoup. Salut Big Bang, je savais que c'était toi. Je t'appelle juste pour te dire que Joystick Billy les a enfin reçus. Quoi? Bien sûr. T'en as acheté? Ah, maudit inverseur de polarisation statique incapable de supporter la moindre surtension. Alors tu en as acheté ou pas? Non, qui? Non, il les mettra seulement en vente demain. Cool. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas superbe? Supérieurement immonde. Carrément répugnant, tu veux dire. Allez-y, les gars, servez-vous. C'est la maison qui offre. Il y a du glutamataminé là-dedans. Ouais, moi j'aime bien les petites bulles acides qui explosent entre les dents. Tu nous en mets deux chacun. Oh non, non, 6 en tout. Et c'est parti. Celui-ci, il est gratuit. Regarde un peu ça. On dirait une véritable migale écrasouillée de palombie, tu trouves pas? Faut absolument montrer ça à Horace. Il va adorer. Tu vois, je savais qu'il serait là. Bizarre, il a pas pris la girafe aujourd'hui. 349, 350, salut les copains! 353, 354. Salut Horace, et je rêve où tu es en train de battre ton record. Dis donc, ça a l'air d'être un super engin. Y a de nouveau ressort? Ah ouais, tu m'étonnes, ça se présente pas mal là pour battre mon record du balancement. La girafe est bien meilleure que là-bas. Ici, le ressort est faussé, donc plus dur à maîtriser. En plus, le vent est contraire. Bon, c'est pas tout ça, on a un truc génial à te montrer. Hé, hey, Kid, regarde ça, sans les mains! On s'est mis à l'insectophagie. Tu vas voir, ça croque sous la dent et puis ensuite c'est super fondant à l'intérieur. Délicieux. On a le choix, deux migalés grassouillus ou un scorpion vénénax ou encore un cafardus cuisinax. L'insectophagie, y'a que ça de vrai aujourd'hui. Hein? Mais c'est quoi ça l'insectophagie de... Qu'est-ce que tu dis? C'est une nouvelle mode, bientôt on ne mangera plus que ça. Cafard en croûte, cancre la farcie, caviar de fourmi noire, blateau d'âtre, tout ça quoi. Manger des insectes vivants? Absolument, c'est bourré de protéines, c'est très très bon pour la croissance. C'est vrai? Mais enfin Horace, puisqu'on te le dit quoi. D'ailleurs rien que d'en parler, ça me donne faim. Ben, moi aussi. Vraiment très goûteux. Fantastique! Tiens, Horace, on t'en a gardé un! Hey, mais c'est délicieux! D'ailleurs, j'ai appris qu'un Migal Burger devrait bientôt ouvrir. Ah bon? Alors, c'est donc ça le chantier derrière l'école? Horace! Oh là là, la belle petite araignée! Yum yum! Horace, qu'est-ce que tu fais? Celle-ci, elle était moins bonne, un petit peu trop salée. Une arachnide bon publicus, il l'a avalé, une arachnide bon publicus. Et vivante. C'est horrible. Oh oui. Alors vraiment, c'est horrible. C'était encore mieux que Massacre au cure-dent numéro 8.
Je suppose qu'aucun de vous n'a pris la peine de regarder le remarquable documentaire consacré au grand poète Amédée Feuillas sur la chaîne Connaissance et Savoir. Filmer l'araignée par vers la ville en marchant. Il se trouve que j'ai justement sous la main un délicieux sonnet de cet auteur que nous allons travailler aujourd'hui. Vous allez découvrir avec émerveillement qu'il existe autre chose que vos bandes dessinées ou que vos mansas. Manga, monsieur. Ou alors cela signifierait que le bout de ses pattes est isolé par quelque chose de bizarre. Faudrait que je vérifie, ça mérite vraiment une petite expérience. Voyons, qui pourrait nous lire quelques pages de cet excellent auteur? Pas de volontaire, évidemment. Très bien, alors dans ce cas, ce sera notre cher Horace Beckett. Horace? Vite, la récré est bientôt finie, on va avoir droit à Amédée Feuillas, le retour de la vengeance du troisième sonnet. Bonjour madame, nous n'avons pas vu Horace ce matin, alors avec Pete, on se demandait s'il était pas malade. Oh que c'est gentil Big Bang. Eh bien oui, notre petit bouchon est à l'hôpital, comme il avait mal au ventre hier soir. Pauvre petit lapin, il a fallu l'amener à l'hôpital, mais tout va bien, il sortira demain, c'est gentil d'avoir appelé. Merci du renseignement madame Beckett, au revoir madame. Qu'est-ce qu'il y a? C'est affreux Pete, c'est vraiment affreux, le petit bouchon... Horace est à l'hôpital. Quoi? Et c'est grave? Sa mère a dit qu'il devrait sortir demain, mais je n'y crois pas. Elle a dit ça pour nous rassurer. Ou alors pire, c'est qu'on lui ment. Oui, c'est ça. Ils veulent nous cacher la vérité. Tu crois? On doit chercher sur Internet. Pourquoi? Trouver des infos sur l'arachnide Bampublicus. J'ai déjà cherché, mais j'ai rien trouvé. Ici, regarde, il y a une adresse. www.schmollfilmdhorreur.com. Laisse tomber, c'est bien pour les bandes-annonces de films, c'est tout. Regardons toujours. C'est que du cinéma qu'on va voir, je te dis. Crois-moi, parfois la réalité dépasse la fiction. Basé sur une histoire vraie, Arachnoïa, ne dormez pas la bouche ouverte, car elles sont déjà parmi nous. Je voulais aller le voir avec Horace, mais le sale type de la caisse n'a pas... Chut! Regarde! Super dégueu, non? Ça, au moins, c'est du cinéma. N'en sois pas si sûr, regarde plutôt. Notre corps est leur ennemi, nos entrailles, leur nourriture. Oh, t'as vu? On dirait une arachnide Bampublicus, non? C'est trop documenté, il doit y avoir un fond de vérité là-dedans. Comme dans le retour des canards cannibales. Arachnoïa, il est peut-être déjà trop tard. Horace! Je crois que c'est la seule solution. Il faut voir le chef de l'hôpital et lui dire ce qui va se passer. Cette araignée va dévorer Horace de l'intérieur. Et les docteurs ne le savent certainement pas. Oh, tu délires, on pourrait commencer par voir Horace. C'est bête, on aurait pu lui apporter quelque chose. Un spray buccal à l'insecticide, par exemple. Pardon, madame, la chambre d'Horace Beckett, s'il vous plaît. Les visites sont interdites aux enfants non accompagnés. D'accord, et pour les enfants accompagnés d'enfants? Hein? Tant pis, allez bien, Big Bang, on retourne à la maison. Mais... Oh! Pas ma petite dame, je vais les retrouver. Et passe à leur l'envie de revenir, me suis bien fait comprendre. Rapide, putain. Mais où est-ce qu'ils peuvent bien être, hein? Comme Horace, il faut l'opérer au plus vite. Je vous dis, appelez une ambulance. Super, je peux la garder? Vous faites des agrandissements? Vous êtes mon second cas en 2 jours. Médicalement, avaler une araignée présente peu de risques, mais quand même. C'est une nouvelle mode ou quoi? Tiens, vous avez une autre araignée dans la poche. Ah, ça y est, tu l'as retrouvée. Alors Horace, toujours vivant? Oh, tu sais, c'était une crise d'un peu de d'appendicite. Ouais, c'est ça, voilà. Mais en fait, c'était pas grave.
Une opération tout à fait bénigne de nos jours. Et pour l'araignée, il était inutile de s'inquiéter. Monsieur Gastrique en fait leur office. Je le tiens du gastro-entérologue lui-même. Tiens, je t'en ai gardé une. Je commence à comprendre, voilà la cause de tous vos soucis. Je crois que la plaisanterie a assez duré. Donnez-moi cette petite horreur immédiatement. Je dois la disséquer en quatre parties parfaitement égales. Servez-vous. N'est pas tant un goût de cerise, non? Non, je crois que c'est la poche à venin. En tout cas, l'abdomen c'est fraise. Ou peut-être fraise des bois. C'est logique, on trouve toujours plein d'araignées dans les bois. Non, mais ce fourré, il y a notre goût. C'est de la menthe. Horace, tu veux un bonbon ? Game over.